Le Venezuela plongé dans le noir. Voilà 4 jours que le pays affronte la plus grande panne d'électricité de son histoire. Aéroport bloqué, rué vers les stations-service. Depuis jeudi, le pays vit au ralenti, ce qui n'a pas empêché les manifestations du week-end. Ce samedi, Juan Guaido, président par intérim, a rassemblé plus de 10 000 personnes autour de lui. Malgré le déploiement impressionnant des forces de l'ordre, une manifestation tendue, mais sans débordement, cette fois-ci. Il y a quelques semaines, les manifestations anti-Maduro ont rapidement dégénéré. Des dizaines de milliers de personnes dans les rues, face à la police ou encore l'armée. Des méthodes dénoncées le jour même par Juan Guaido. Le gouvernement vénézuélien a déployé des agents non officiels qui ont tiré à balles réelles pour essayer d'arrêter ce qui était en train de se passer. Selon l'ONU, plus de 40 manifestants ont été tués ce jour-là et près de 700 personnes arrêtées, un record en 24 heures, selon les ONG locales. Une répression violente, mais rien de nouveau à Caracas. En 2017 déjà, plusieurs manifestations anti-Maduro avaient abouti à la mort de 125 manifestants. En guise de réponse, Nicolas Maduro a réaffirmé son autorité. Sans jamais évoquer les morts des jours précédents, il rappelle, devant un parterre de fidèles, que la seule autorité du pays, c'est lui. Par décision souveraine et constitutionnelle, je suis le président de la République bolivarienne du Venezuela et je me dédie à vous tous sans aucune partialité. Je me dédie à tout le Venezuela. Président souverain, président en exercice, président ouvrier, président du peuple, président Maduro, peu importe comment vous m'appelez. Nicolas Maduro, loin d'être isolé, peut encore compter sur un fort soutien populaire, faisant du Venezuela un pays plus divisé que jamais.